D'abord, j'aimerais féliciter l'Université Mohamed VI Polytechnique d'avoir participé à cet événement en Côte d'Ivoire, qui démontre encore une fois et de façon éloquente, comme je l'ai dit, la coopération Sud-Sud, qui est une réalité aujourd'hui, même au niveau académique. Nous avions commencé au départ avec l'école polytechnique Mohamedia de Rabat, avec lequel nous avons signé. Nous avons signé aussi avec d'autres institutions, mais je pense que les relations sont très très bien suivies depuis que nous avons rencontré les autorités de l'université polytechnique Mohamed VI à Benguéri. Avec cette université, nous avons des ambitions et des projets structurants pour notre établissement ici à Yamoussoukro. Il s'agit de trois projets phares, un projet verger d'excellence et de référence, un projet sur la ferme moderne et puis un projet sur le développement de ce que nous avons appelé l'industrie du riz et que nous souhaiterons mettre en place avec les populations riveraines de notre institut. On vient de visiter tous les stands de ce salon, de cette exposition. On a vu le potentiel de cette jeunesse magnifique, africaine, marocaine, nord-africaine, sud-africaine. Mais en tout cas, donc, tous les jeunes sont mobilisés pour apporter leur contribution à l'amélioration des conditions écologiques et assurer l'avenir de cette planète pour eux et pour leurs enfants. J'ai travaillé sur le projet World Climate avec l'Université Mohamed VI. Au sein de ce projet, j'ai vraiment compris les enjeux des négociations climatiques. Et cela nous a permis, au travers de ce cadre-là, de vulgariser vraiment les enjeux et les contours qui animaient vraiment les enjeux de ces négociations. Et je peux dire que pour toutes ces populations qui venaient des zones rurales et de la capitale économique Abidjan, ça a été vraiment une très belle opportunité parce que beaucoup d'enseignements ont été tirés et les gens sont repartis vraiment ravis. Avec la découverte de l'université Mohamed VI, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller à cette université-là pour justement avoir un doctorat et mieux connaître l'Afrique et venir innover pour produire tous ces produits-là pour l'Afrique. Je pense que beaucoup d'étudiants ici ne savent pas toutes les richesses de l'université Mohamed VI. On ne sait pas justement que l'université Mohamed VI est un pôle d'excellence, est un pôle de recherche important. Alors justement, que des initiatives puissent être faites dans ce sens-là pour vulgariser, pour encourager des Africains à aller étudier en Afrique. Parce que justement, l'Université Mohamed VI est une référence dans le domaine.